Ni bane. Jambo mimi. Kwani nini yanapitikana? Kutoka tu mumisa. Njoo tunasikia mapombe zinaanza lia. Njoo hivi unaona shimo wote bazeba naanguka kuko beba nazimia deja. Ni shua nini? Vraiment hatuyo hii ma marche ilikuwa organisé surprise. Je ai kuona inchi inaharibika mubasa. On peut savoir qu'est-ce qui vient de se passer ici à l'église? Mais vous voyez de devant vous-même. C'est finalement quoi? De la lacrymogène, j'ai entendu ça à l'extérieur de l'entrée de l'église. Et c'était dit à quoi? Bon, je ne sais pas si c'est la police qui vient de tirer les lacrymogènes, moi je ne sais pas. Est-ce que... Et je viens de l'église tout de suite, tu étais là aussi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je vois les gens sont en train de pleurer, il y a quoi? Bon, ils pleurent parce que les lacrymogènes sont des gaz à piment. C'est parce qu'ils pleurent. Donc, Pedro dit que la police a tiré sur les fidèles? Oui. C'était après la messe? Et après la messe, justement. Vous prêtez déjà pour la marche, vous allez continuer? On n'était pas dans la marche, on était dans la partie de sortie. Nous avons organisé une marche qui concerne l'opposition et les sociétés civiles ensemble et les mouvements citoyens. Pourquoi la marche? La marche porte sur, nous déclarons la démission du Kabila, puisqu'il veut prendre le pouvoir par la force. Or l'article 64 nous donne vraiment droit de manifester. Et l'article 26 de la Constitution. Vous venez d'être dispersé, pourquoi? Nous venons d'être dispersés par la police qui est en train de disperser le fidèle catholique. Et voilà la désordre des policiers. Et regardez maintenant, le peuple commence maintenant à regarder convenablement que nous sommes en face devant un police vraiment qui est criminel, qui massacre eux-mêmes vraiment ses familles et ses compatriotes. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes une dame, vous venez de quitter l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je suis en regretter ça. L'église, misa ilianza bien, inaisha bien, même kutoka. Vraiment, tu as dit que tu as ma bombe qui mojene, batu bengine, baka dada bawili deja banazimia bako mu ndani ya kanisa. Vraiment, tunaomba Mungu aingie ndani ya baba kubwa, abapatie roho ya mapendo. Kama iko kukiti ni batu njo balimtia pale na ni Mungu ndiye kwana mtuma aongoze. Ima uwaji mpaka na muiglize kukufuru vyombo vitakatifu. Vraiment, tunasikia tunaregrete sana. Mungu amusaidie, amupe roho ya kimutu, amutosha mwile roho ya jiwe. Asante sana mama. Vous appelez? Je m'appelle Liber Kabuya. Vous venez de quitter l'église et je vois les fidèles dispersés. Pourquoi? En fait, il y a une équipe qui était ordinaire, mais à la grande surprise de tout le monde, nous avons vu les gaz de lacrymogène qui nous étaient rejetés. À ce moment où vous voyez, les gens ont dû fuir. On ne comprend pas pourquoi la police veut jeter les gaz de lacrymogène. C'est le fait. C'est vraiment anormal. Le pays doit être géré par des hommes responsables. Les médiocres doivent se dégager. C'est quoi vous demandez? Il faut que les médiocres dégagent. Vous voulez que Kabila quitte le pouvoir? Tout à partir. Les médiocres dégagent. Est-ce que vous allez continuer à marcher? Kabila, nous ne parlons pas de toi. Nous ne parlons pas de toi, Kabila. Tu dois dégager. C'est quoi vous accusez Kabila? Kabila c'est un malfaiteur, il est en train de l'outiller. Dans quel sens? Il est en train de faire des crimes à Beni. Partout il est en train de le faire. Il a violé la constitution. Il doit quitter le pouvoir. Mais on vous a publié un calendrier. Le calendrier là est fanatisme et irréalisme. Que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le calendrier ne montre que ce calendrier sera redoucé. On a tiré des... Ah oui, mais vous avez suivi depuis que nous avons fini la sortie de l'église. La messe, nous savons pas dans l'église. Il y a une Bible et nous savons pas rentrer. Mais c'est une marche. Nous avons de mal. C'est une marche interdite par la mairie. Ah oui, mais quoi qu'elle soit interdite, nous sommes libres. C'est la constitution qui garantit ça. Nous n'avons pas besoin d'une autorisation pour manifester. Non, nous n'avons pas besoin d'une qualité ni mandat. Nous n'avons pas besoin d'une autorisation. Il doit partir. Coûte que coûte, il doit partir. Il doit partir. Il doit passer. Il doit partir. Il y a la police qui nous empêche de sortir. Vous attendez les coups de balle, les lacrymogènes. Vous parlez rien sur le peuple. Ça n'est pas. Nous ne pouvons plus. Ça va, merci beaucoup. Il va partir. Bonjour, monsieur.
bonjour. Mais ça va, pourquoi vous sifflez? Nous sifflons parce que Kabila doit dégager, les médiocres doivent dégager dans ce pays. Tu dégages pourquoi pendant qu'il y a les élections qui vont composer? C'est un calendrier fantaisiste, il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection avec Kabila. Kabila doit dégager. Et pourquoi doit laisser ce pays? Maintenant, pourquoi vous voulez marcher? Nous voulons marcher pour soutenir les gens de l'Aïe catholique et de Suzanne, pour les soutenir à dire à Kabila qu'il dégage. Pas de dialogue, il doit dégager. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ils ont voulu tuer le pays. Éliminer tous les prêtres. Ils ont voulu tuer le prêtres. Voilà sur le toit. Est-ce que c'est la police? Oui, c'est la police. Mais on dit que vous vouliez... Non, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ça s'appelle faire comme ça. Ça. Merci beaucoup. C'est Christ. Ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés au niveau de Kinshasa. Ils sont au niveau de Kinshasa depuis le 31 décembre. Ils ont, juste pour défendre la démocratie, ils ont été arrêtés. Ils ont défendu le droit de la population, ils ont été arrêtés. Et nous réclamons les libérations directement à l'immédiat. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter? Je suis Fred Bauma, je suis de l'Ouest. Fred Bauma, vous venez de participer à une messe. Maintenant, vous vouliez marcher. Fred, on peut savoir qu'est-ce qui se passe finalement? On est clairement pris en otage dans l'église parce qu'on voulait manifester. On a dehors des policiers qui refusent tout ça. On a pourtant prévenu que cette marche serait une marche pacifique pour demander la démocratie, pour demander la fin de cette médiocrité, pour demander que Kabila dégage finalement et que nous puissions une alternance pacifique comme on le demande depuis longtemps. Malheureusement, on voit qu'on fait face à une police, et une police qui est prête à tout pour nous empêcher d'avancer, et on est déterminé à aller. Mais ces frais de la marche, elle a été interdite par les maires de la ville de Goma. La marche, on a lu un communiqué disant que la marche a été interdite. Mais le maire de la ville a simplement, on a juste l'obligation de l'informer et on l'a fait. On n'a pas le pouvoir d'interdire de marche, d'interdire sans aucune raison valable. Donc on a
on considère son interdiction comme étant pas non éternel. Et nous sommes ici avec des milliers de gens pour manifester ce que la population pense. L'interdiction du maire Gambie ne manque pas du tout. Vous êtes coincé dans l'enclos de la paroisse Saint-Joseph. Pensez-vous que vous allez continuer avec votre démarche? En tout cas, on est encore là. Tant que la police ne nous empêchera de sortir, nous sommes ici. Ouais, ouais. Lorsqu'on nous donnera la possibilité de sortir, on marchera jusqu'à la place de nos sociétés. Fred Bahouma, je vois à côté de vous, ici nous sommes à la cathédrale, n'est-ce pas? À côté de vous, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a toute tendance religieuse. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, vous, en tant que militant, lutte pour le changement? Je pense que c'est un message... que ce n'est pas simplement les catholiques qui sont unis aujourd'hui, mais que c'est toute la population qui est rassemblée ici pour demander une seule chose, le départ de Kabila et de son régime, afin qu'on puisse enfin voir une alternance à la démocratie et que notre pays puisse enfin décoller. Ce n'est pas une question de catholique, c'est une question de la population. Et lorsque le pouvoir s'oppose à tous ces gens, ce n'est pas simplement les catholiques. C'est aux musulmans, c'est aux protestants, c'est aux non-croyants, c'est à tout le monde, c'est à tout le monde que le pouvoir s'oppose. Un pouvoir normal ne peut pas s'opposer à toute la population. Merci. Merci. Vous êtes un militant de l'UDPS. Vous venez de sortir de la messe, on voit les manifestants, les fidèles dispersés. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Tout justement, nous avions besoin de manifester, mais on nous empêche, on nous réprime. On a jeté des gaz lacrymogènes sur tous les manifestants. Et depuis la fin de la messe, et on est dans les échauffourées entre nous et la police. Nous voulons marcher et voilà qu'ils nous jettent des gaz lacrymogènes. Et on ne sait pas jusqu'à quand parce que nous sommes déterminés à marcher aujourd'hui. De quoi vous déplorez dans tout ça? Bon, nous déplorons la violation manifeste des droits de l'homme parce que nous avons le droit de manifester, mais on nous l'empêche. Est-ce qu'il y a eu des blessés ou des morts? Bon, on ne sait pas encore parce que j'ai vu des mamans tomber, j'ai vu des papas tomber. Bon, on les déplaçait. Je ne sais pas dans quel état ils se retrouvaient. Merci, merci. Ok, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? On voit, vous êtes blessé? Bon, je suis venu prier ici à la cathédrale. Alors, lorsqu'on finissait le culte, je voulais sortir. Alors, je suis arrivé à la porte, j'ai rencontré la police qui a commencé à tirer sur nous. Et voilà, je me suis senti blessé. Je ne sais pas si ce sont des éclats de grenades ou c'est une balle. Et je vais voir le médecin pour examiner qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on a tiré sur vous? En tout cas, la population de Goma, vous êtes sans ignorer qu'elle est. Les prêtres de manifester son mécontentement sur le régime. Alors, vous voulez soutenir les déclarations de l'hiérarchie ecclésiastique pour que le peuple se prenne en charge et que le peuple montre son mécontentement face aux dirigeants actuels. Tu voulais rentrer à la maison ou bien tu voulais aussi aller marcher? Je voulais vraiment soutenir la déclaration de notre de CLC qui a été annoncé dans toute la République. Et de quoi vous fustigez dans tout ça? Vraiment, c'est l'utilisation des forces disproportionnées. La population était là avec les chapelets, avec des bibles, avec des rameaux. Mais la police qui commence à tirer, en tout cas, c'est vraiment une police qui n'est pas professionnelle. En tout cas. Il y a eu des blessés, des morts? Oui, vraiment, il y a des blessés parce que vous êtes témoins. Combien? Vous venez de voir ici. Je suis là, il y a aussi d'autres amis à l'extérieur qui viennent d'aller à l'hôpital. Alors, on saura faire le bilan peut-être peu après. Mais maintenant, c'est peu difficile comme je suis encore ici au temple. Merci beaucoup. Merci. Tellement qu'il n'avait pas la capacité d'entrer ici, il est resté à l'extérieur. Alors on a récupéré.
Et d'ailleurs, il ordonnait qu'on puisse les tuer. Oui. Il était en train d'ordonner qu'on tue. Où les commandants, moi, on a dirigé par les policiers, par les majors, moi, on a dirigé par les policiers. Major est Ginalat. Tué Ginalat. Yendjo, on a tiré. Koumi et pas les Koumoulang, on a tiré. Koumi, Minango Kachini, ma camarade, on a tiré des Kamata Koumougou, on a tiré des Koumoukou, on a tiré des Koumoukou. La Kwanza, elle a la mika, c'est tiré-le, tué-le. Alisema ba mu. Na mimi nitafuta ni wako mlango. Na Donda sana. Oui, non, pas bandage, non, pas tout bandé, qui donne d'ailleurs qu'on a profondé. Tiens, compresse. Pardon, gauche à compresse.